dis donc, mais c'est le bedeau qui fait à crier à matin. Oui, mes amis, c'est moi. Mesdames, messieurs, frérot F. sera. On m'a demandé de remplacer à la criée le vieux Joe la framboise qui est bien malade. Récuyez, casine passée. La picote noire, mes amis, que les savants appellent Vérola Blacum. Mais le vlog qui parle latin, pareil comme à l'église, c'est drôle, hein? Je le fais, mes amis, mais c'est pour vous autres. Comment? Ouvrez bien les oreilles, parce qu'on répète pas la messe deux fois pour les sourds. Mort du soir, à 7 heures. Madame Églantine voit fendue, vendra tout ce qu'elle a en temps et en dehors, sans compter que tu vois que son défunt mari n'a pas eu le temps de défoucher son temps. Péros non déficacius. Le veau d'Onésime Michaud s'est en sauvé la semaine dernière. Si vous le trouvez, faites pas comme lui. Venez le reporter. Mais oubliez pas que Volus défendare gardum. Les gens de la concession numéro 2 devront arranger la côte de Sable à Chicoine et du Prescave. Côte à Tablum. La vache à Casse-Grain a été vue dans le champ des dents du Pergognon. Casse-Grenus, Ramanchat, Couturam, et nos vaches une voisinis Campo Panoribus. Mes amis, mes chers amis, j'ai une bien mauvaise nouvelle à vous apprendre. L'orgueil de nos concessions, la gloire de notre village, le fameux cochon de 3 660 d'Ivécors, appartenant à Seigneur sa douceur, est mort hier matin sous sa pleine mort naturelle. Pulvéris, réverbérez. Pauvre cochon! Eh ben oui, qui est-ce qui a dit ça? Mais je vous demande pardon, c'est pas le moment de t'attendrir. Silence! Jeudi prochain, il y aura une rare chez Madame Sophranie Brin d'Oiseau. Bien beau Barlot à gagner. Barlus, Barlum, Barlos. Il est à espérer que toute la paroisse s'y rendra parce que depuis la mort de son défunt mari, Madame Brin d'Oiseau n'est plus la même. Il faut qu'elle aille en ville pour se faire opérer le père Antoine qui est dans un bien mauvais état. Puis vous connaissez le vieux proverbe, hein? No monetum, no suissum. Bédo! Qu'est-ce que t'as, mon garçon? Ben, il y a la petite Angèle Tranche-Montagne. Il est arrivé pour les noces avec son gars de Montréal, là. Ah oui, c'est vrai, baptême, il faut que j'aille pour les cloches. Eh bien oui, je m'en laisse sonner les cloches, mes amis, excusez-moi. Honoré, cloche et or, jusque dans l'atmosphère.